Yo les gars, c'est Joe et aujourd'hui on parle pas chinois, on est parti pour les matchs de cette draft pas forcément incroyable de cet épisode de Tweet My Draft les gars, c'est le deuxième, ensuite on recommencera avec de nouveaux tweets, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, c'est juste en dessous, et à poser un petit like en passant parce que l'épisode 1 vous a beaucoup plu, donc j'espère que l'épisode 2 va vous plaire aussi. On va essayer de faire un petit condensé, que ce soit en match, je sais pas comment dire, en commenté live ou en différé, je vais essayer de faire un petit match-up de tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Au niveau de l'effectif, ce qu'on a fait, on a donc mis des joueurs de Serie A. Vous m'avez dit de mettre beaucoup plus de joueurs de Serie A. Alors j'ai mis De Vrij, Handanovic et le petit Pabon en MDC. Ensuite devant, bah, j'ai inversé Van Persie et Moussa. Et ensuite j'ai laissé le même effectif parce que je trouve qu'il est intéressant comme ça. Donc les gars, parti. Et donc on tombe directement contre une équipe vraiment vraiment intéressante. Une des meilleures drafts possibles à faire en ce moment avec du Benzema in form, du Ronaldo in form, du Messi, du Neymar 90 de général, enfin une équipe monstrueuse. Ça va vraiment être compliqué, la 93 de collectif, à part Julio César, tout le monde a son collectif, ça va être compliqué. Et ça commence directement avec une super frappe de sa part, et puis là bah le cafouillage et malheureusement... Non mais c'est quoi ce but? On se prend un but comme ça, la 4ème minute de jeu, mais ça sert à quoi de jouer à FIFA? Je vous le demande, ça sert à quoi? Non parce que là je sais pas, vraiment là je me pose des questions sur le but du jeu parce que là... D'accord, il a une belle équipe, mais bon, là, au moins, c'est des comptes favorables, quoi. Et malheureusement pour nous, la logique va continuer et va s'aggraver directement à la 9ème minute de jeu. Il va continuer à pousser. Non, Ronaldo, bah voilà, 2-0. C'est infaisable de les tenir avec une équipe. T'as vu son équipe, il a une équipe taillée pour gagner alors que moi, j'ai une équipe taillée pour perdre. C'est même plus un défi rééquilibrage qu'on fait là, c'est... Il n'y a pas de nom. Mais ceux qui me connaissent savaient que j'allais pas abandonner, et donc directement avec le terrible Konoplyanka. Oui, ce but il est beau ce but de Robin Van Persie, ancien joueur de United. Le talent n'a qu'une seule couleur les gars. Voilà les gars, allez, le petit tête en poteau rentrant qui fait plaisir. 2-1, on se laisse pas abattre, on n'est pas une équipe de PD nous. Non. Oh, ça passe juste à côté. Et là tout de suite la contre-attaque du 2-0 peut-être orchestrée par le terrible Moussa et son 94 de vitesse. Allez Texera. Mais non putain d'enculé. Il peut la mettre au fond là, je suis désolé. Là je suis à 300% et quand je vois qu'il rate un face à face comme ça. Mais là j'ai plus que mes yeux pour pleurer carrément. Allez Kono. Allez mais non. Et là par contre je rends mon tablier, hein. J'ai plus à commenter le football après le but. Mais non mais c'est quoi ce but? C'est quoi? Je comprends pas. Non, là, il faut m'expliquer. Faut m'expliquer parce que là. Regardez-moi ça. Oh bah là, bah but. Bah but, hein, dans mes pieds, but. Voilà. Ça vaut bien le coup de se casser les couilles à marquer un but, c'est pour qu'il en marque des comme ça, moi je vous le dis. Et après le 3-1, le cauchemar va-t-il continuer? Moi je crois que oui. Oh non, mais voilà. On se prend un 4-1. Un 4-1. Voilà. Bah je fais de mon mieux, mais qu'est-ce que vous voulez, il a même fait rentrer Benzema, enfin je sais pas s'il l'a fait rentrer, mais en tout cas c'est la première fois que je le vois. On se prend un 4-1. Voilà. C'est infaisable, voilà. Pourtant je vous dis, hein, je joue bien. Là je trouve qu'un sens, j'ai rien à démériter. En plus ça lag les gars, vous pouvez savoir, ça lag les gars, j'en peux plus. Vraiment les gars, sauvez-moi de ce match. À 4-1 à la mi-temps, l'issue du match semble inévitable. Djorkaeff va quelque peu, je pense, commencer à rager le connaissant. Mais voilà! Comment on peut jouer comme ça? Les passes sont dégueulasses, tout est dégueulasse. Je rage un peu, mais vraiment, là, c'est un sentiment d'impuissance. C'est chiant, c'est vraiment très très chiant. Parce que moi, je suis désolé, là, je sens que Tout passe, tout ce qui tente passe. C'est bon, aussi, j'ai pas de collectif et je devrais pas me plaindre. Mais vous comprenez qu'à un moment, voilà, on se prend un 5-1 à la 90e. J'aimerais vous proposer mieux, mais je sens aujourd'hui que j'en ai pas les capacités, que je peux pas le faire, en fait. Ça qui m'énerve, c'est que je peux pas vous proposer de la qualité au niveau du jeu parce que j'ai pas les joueurs de qualité. Parce que en face, il a une équipe, c'est un bulldozer. Et parce que j'ai pas de collectif. Et ça me fait mal parce que je peux vous proposer quelque chose de qualité. Bah voilà, c'est fini. On s'est fait gerter de cette draft au premier tour. Bon, c'était prévisible. Mais bon, quand même. Là, je pense qu'on est tombé contre un adversaire qui avait beaucoup de chance. Qui avait beaucoup de. Bon, à 5-1, vous allez dire oui, mais tu dis que c'est de la chance alors qu'il y a 5-1 qui t'a pulvérisé. T'inquiète pas, moi je sais de quoi je suis capable. Et je sais qu'avec une équipe normale, je lui mets sa misère. Vraiment, je vous assure. Parce que là, vraiment, 21 tirs, bon, il a tenté pas mal de long shots, mais je vous dis, hein, les gars, avec une vraie team, je lui nique sa mère, vraiment. Bon, c'est pas grave, on va aller ouvrir les packs, croyez-moi, croyez-vous pas, hein, j'en ai rien à foutre. Donc, bon, voilà, on a perdu, voilà, récupéré prix. Pack or, oh non, mais c'est nul, les packs joueurs en prêt. Bon, on va aller ouvrir le pack joueurs en prêt en premier. Voyons voir ce qu'on a dans ce pack, on va skipper, on n'a pas que ça à foutre.
En plus, on a Roberto Firmino. Allez, ça dégage, je veux même pas de Roberto dans mon club. Là, on va en ouvrir, j'ai vu qu'il y en avait un seul de rare, donc bon, bah voilà. Mario Gaspard, intéressant Mario Gaspard. On aime ça. Attends, non. On va juste garder un truc, on va juste garder ça, l'entraînement équipe. C'est le seul truc qui est intéressant, ça vaut 2000 crédits, et puis en plus, c'est vraiment, vraiment utile. En tout cas, les gars, vraiment déçu de ne pas avoir pu vous proposer mieux pour ce premier épisode de Toute My Draft. Moi aussi, vous m'aviez pas aidé hein, dans le choix de l'équipe. Mais bon, j'espérais quand même un truc pas trop dégueu. Mais malheureusement, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Et vous m'avez pas plus aidé que ça. Donc, voilà. J'ai été pas assez bon. Vous avez pas été assez bon dans le choix des joueurs. C'est pas grave. On ira de faire mieux pour le deuxième épisode. En tout cas, c'était Joe. Bye tout le monde.